Pourquoi, comment, le problème, je ne poserai pas la question exactement comme ça. Je pense que vous serez satisfait de votre visite. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Que je réfléchisse, voyons. Yop la boum, banane pistache, c'est ce que je préfère. Dis-moi d'abord comment tu t'appelles. Ce n'est pas mon domaine. Il faut être à la hauteur. Je crois que les dieux du billard se penchent sur moi ce soir. Vas-y, relax. Suivez-moi. Il y a 2 ans, je retrouve Morgan Freeman. Je le vois à l'écran sur le lore. Il a pris un coup de vieux, quand même. Les tempes grisonnantes, des petites taches de vieillesse sur la peau. Bon, c'est... Puis, oh là là, il a vieilli. Et en moi-même, je disais, ta gueule est con, mais toi aussi, parce que j'ai commencé à le doubler en 77-78, et j'ai autant vieilli que lui. Et je me suis dit, ah, c'est quand même rare de vieillir en même temps que le personnage que l'on double. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour cet homme, et beaucoup d'admiration. C'est un bonheur de le doubler, et quand on le voit souriant, même dans des situations un peu dramatiques, il y a toujours cet œil qui pétille, qui est heureux de vivre. In the United Kingdom, where people voted on the sexiest American voice, and you came out top. Pour le dernier Batman, la production de la Warner voulait que les 7 comédiens avec l'ingé son aillent à Los Angeles voir le film, parce qu'il n'était pas question que le film sorte des États-Unis pour qu'on le voie. Mais c'est illégal, non? Tu n'as pas reçu le mémo? De peur du piratage, etc. Or, le film, déjà dans les studios là-bas, à la Warner, il est déjà piraté les 3/4 du temps. Je crois que l'avant-dernier Batman, avant qu'il ne soit sorti aux États-Unis, était déjà vendu au Caire dans les souks piratés. C'est une légende. Alors on a dit, ben non, ça ne va pas partir 4 jours à Los Angeles, parce que c'est mis dans l'avion, arrivé là-bas, on voit le film, puis on revient, quoi, complètement. En fait, on a pu le voir à Londres, dans les locaux de la Warner, en catimini, on a pris le train le matin, et on a vu un film, son intégralité, magnifique. Puis, 3 mois après, on s'est retrouvé en studio à Paris, et on a eu un film barré, avec des time codes partout, avec Warner, propriété de la Warner, etc., et une image surexposée, et quelquefois simplement un écran noir avec une pastille qui circule, et dans la pastille, la tête du personnage que vous doublez. C'est tout. Tout ça pour que ça ne soit pas piraté. Mais comment voulez-vous qu'on puisse interpréter et doubler un personnage? Alors, on demandait au directeur artistique, au chef de plateau, il dit donc, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, alors il regarde dans son storyboard, il dit, bah oui, ah là, alors tu vois, là, il longe une table où il y a 6 personnages autour, il est en train ah oui, c'est ça, alors on essaie de se rappeler de ce qu'on a vu 3 mois auparavant. Je suis supposé comprendre tout ça. Pas du tout, non. Mais ce n'est que pour vous informer de la complexité de la chose. On ne peut pas travailler comme ça. But one of the things I've never understood is dubbing English TV shows and films into French. It's because for me, dubbing makes absolutely no sense at all. Et après, vous avez des malins qui nous disent « Ouais, c'est pas bien doublé en français. » Mais vous ne savez pas dans quelles conditions, quelquefois, on travaille. Hey, qu'est-ce qui va pas? Excusez-moi. Des soucis professionnels. Comment voulez-vous qu'on puisse s'inspirer complètement de ce que fait l'acteur étranger si on n'a pas ça, en totalité ce qu'il fait dans le film? Et ça, c'est aberrant. Alors, même quand vous avez quelquefois une image surexposée, vous ne voyez même pas le mouvement de ses lèvres. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, quelquefois, c'est pas très bon. Eh oui, monsieur, oui. D'ailleurs, pour Batman, on a tellement râlé, les Allemands ont râlé, les Italiens qui doublaient le film en même temps que nous ont râlé, de telle sorte que le réalisateur et la Warner ont dit non, allez, donnez le film. Et on a pu terminer le film avec l'image complète. Tu n'as pas reçu le mémo? On ne peut pas travailler autant. Et c'est là où les spécialistes disent, oui, alors le doublage n'est pas très bien fait. Il n'a pas tout à fait tort, monsieur Wayne. Mais c'est une contrainte. C'est une contrainte, on est obligé de... Puis on ne peut pas trahir le comédien que l'on double. Quand je vois Morgan Freeman, son visage 6 mètres sur 12, plein d'émotions en disant simplement quelques lignes, je ne peux pas faire autre chose que ce qu'il fait. Il faut donc que je m'inspire du sentiment qu'il a animé quand il a tourné, que j'ai son même rythme cardiaque, son même respiration. Je ne peux pas faire autre chose que ce qu'il a fait, lui. Autrement, on le trahit. Et la star, c'est lui. Le comédien est au service du personnage qu'il double. On a des facilités en nous, on dit « tiens, là, j'aimerais bien faire ça comme ça ». Non, si c'est pas le personnage, il faut pas le faire. On s'improvise pas. « Ah oh, tiens, j'aime les croissants, c'est facile à faire, j'ai vu la recette, tiens, allez, je suis boulanger ». Non, c'est pas vrai. Et aussi maintenant, bonne soirée. Et vous avez le problème,
Il n'y a pas que des problèmes, il y a des grands plaisirs aussi, vous inquiétez pas.